C'est toi qui as les pieds là, ben moi je m'en fous. Allez, tout se prend l'air. Ouais, comment ça a commencé les deux styles? Les deux styles, c'était dans un bar. Je crois que ça a tout gravite autour du même bar. Hein. Donc, toi et moi, on s'est rencontrés il y a 8 ans. Voilà. On s'est projetés ensemble pour faire de la musique. Moi, j'avais fait un concert et t'étais venu. C'était toi qui organisais. Mmh. Et puis, après, on a joué ensemble. Après, tout de suite après, Michou et Phil. Et ensuite, Michou à la basse et Phil au clavier. Et Michou a laissé sa place après. Michou a laissé sa place à Peter il y a combien de temps? Deux ans et demi. Ça, c'était dans les Philippe est revenu tout de suite dans la foulée. Mm-hmm. Et puis Bob, et j'ai pas trop d'idée de la durée. Début 2017. Riding through the sand, riding into the town. No stars shining on his chest. No need to have a last request. The bounty hunter comes and he goes. On est influencé par par quoi en fait? Plein de choses. Par plein de choses. Bah, chacun apporte un peu. Hein. Mais au départ? Au départ, c'était folk, c'était vachement de cash et dans les idées là quoi. On est parti un peu plus sur le rock. Mm-hmm. Le clavier de Phil quoi, avec son orgue, avec. Ce qu'il a apporté les années 60-70. Présente ton instrument, Philippe. Ouais. Alors, c'est un synthé, un clavier traditionnel, sauf que le jeu en lui-même, c'est un jeu d'accordéon chromatique. C'est un clavier d'accordéon chromatique qui est branché sur un synthé traditionnel. Ça peut être du folk, ça peut être du blues, des petits rock'n'roll. On a un tango maintenant, parce que... Il y a du piazzo là maintenant. On aime bien aussi la chanson française. Vrai ou pas vrai, Philippe? Tout à fait. Il y a la guitare de Matt, ta voix, les sons de Phil, enfin je sais pas, il y a quand même quelque chose qu'on trouve, quel que soit le morceau. Les gens reconnaissent les Gnostiches. C'est une nouvelle création, en fait. Quoi. Mmh. On a quelque chose en tête et puis finalement, le fait que chacun mette sa pierre à l'édifice, ça construit le morceau différemment de ce qu'on avait imaginé et finalement, ça convient à chacun. Quand on entend les groupes qui jouent avec nous ce soir, on a l'impression d'être... On a un doute. Tu peux décaler, qu'on est des gentils, nous, par rapport à... On est des gentils, c'est ce qu'on va dire. Il faut des gentils. Ouais. Il faut des gentils. Hein. Parmi le rock'n'roll, il y a plusieurs rock'n'roll. Voilà. Et si on arrive à être sélectionné au tremplin, enfin à gagner le tremplin, on aura le droit de jouer au festival. L'année prochaine. À Musique d'Enfer. Voilà. Musique d'Enfer. Non, on n'est pas en terrain conquis ici. Ah non, pas du tout, mais c'est pas grave, en même temps on s'en fout. Voilà, on est contents d'être ici. De nous rencontrer et de vivre des sensations ensemble. Ben, ça fait du bonheur quoi, dans la vie quoi. À l'année prochaine de Suffrox. Voilà, bravo, bravo. Voilà. Merci beaucoup. Et à demain. T'es content? Ouais, je suis trop content. Moi aussi, parce que... Il est content. J'espère que je tiendrai encore debout, parce que ça me ferait quelle heure j'allais prendre. Bah, c'est le gros débat, quoi. Ah, là, je c'est ça. Non, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est des gens passionnés. Mmh. Ouais, qui nous ont sentis aussi passionnés. Alors ça me fait plaisir. C'est ça, ouais. Ouais. Bah ouais. Yes. Et on a gagné. Et on a bien fait de venir, hein.
Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Content. Content, les gars.